Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc comme tu viens de le constater, on vient juste d'assister au match of the day. Chelsea qui recevait Liverpool. Le match, il était absolument incroyable. Un match de malade. On aurait dit un match de ping-pong. Ils n'arrêtaient pas de se renvoyer la balle. Paf, paf, paf. Et quand je te dis un match de ping-pong, je ne te parle pas de match de ping-pong du dimanche quand vous êtes tous bourrés et puis voilà, il n'y a personne qui arrive à mettre la balle sur la table. Non, je te parle d'un match de ping-pong où c'est que des Japonais qui sont en train de jouer. Parce que les Japonais, ils sont hardcore en tennis de table. Je ne sais pas si tu as déjà vu les Japonais jouer en tennis de table, mais c'est des malades. Déjà, ils ne tiennent pas la raquette comme nous. Mais bon, bref, là, comme tu as pu le voir, le match d'aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Chelsea, ils avaient l'ascendant sur le match pendant 5 minutes au début. Ensuite, Liverpool a récupéré l'ascendant pendant 30 minutes. Ils ont mis 2 buts. Et ensuite, il restait 10 minutes. Il y a eu 5 minutes de flottement. Et pendant 5 minutes, Chelsea a récupéré l'ascendant du match et a mis 2 buts. Tu te rends compte de la folie? Ça, c'était juste une seule mi-temps. Hein. Ensuite, en deuxième mi-temps, là, ils étaient plus dans la gestion. Ils essayaient de trouver des systèmes, des tactiques pour essayer de déstabiliser l'autre équipe et essayer de marquer. Mais là, il n'y a rien qui a fonctionné, malheureusement. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Chelsea est en train de vivre une petite, période de turbulence, surtout avec tout ce qui se passe en interne, on ne va pas se mentir. Là, Thomas Tuchel, il s'est littéralement embrouillé avec Romelu Lukaku, on ne va pas se mentir. Là, c'était une embrouille. Même si, voilà, le Romelu Lukaku, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est un petit peu un coup en traître. Il est parti aller voir un média italien et leur dire que, ouais, il va bientôt revenir en Italie, il se sent pas bien à Chelsea, blablabla. C'est un petit peu un coup en traître. Derrière, Thomas Tuchel, il est parti voir la direction, il a dit, bon, Romelu Lukaku, il est pas content, il joue pas. Voilà. Et voilà ce qui se passe maintenant. Là, on a clairement vu que, oui, certes, Romelu Lukaku n'est pas content à Chelsea, Thomas Tuchel est totalement en droit de virer Lukaku de son équipe après ses déclarations honteuses qu'il a eues dans le média. Mais on ne va pas se mentir que, businessment parlant et professionnellement parlant, Chelsea a besoin de Lukaku. Et là, on l'a vu, là, ce soir. Ben oui, hein? Qu'est-ce que tu crois? Là, en deuxième mi-temps, c'est terminé, là, tes petits attaquants, Kai Havertz, Mason Mount. Oui, ils se sont créés des petites occasions, les Pulisic et tout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre les Konaté et Van Dijk? Hein? Tu les as vus, les deux mastodontes, là? Mais c'est du grand n'importe quoi. Là, il te faut un Romelu Lukaku ou Lukaku, comme tu veux. Là, tout le monde l'appelle la caca parce que, voilà, j'avoue que c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Hein. Là, c'est abandonner son équipe. Il va dans un média, il dit qu'il se sent pas bien. Après, je sais pas ce qui se passe et je sais pas comment il est traité à Chelsea. Donc, j'avoue, quand je dis c'est pas bien, je suis là, je parle sans savoir, tu vois. C'est comme ça, tu vois, quand t'as pas les aboutissants et les tenants, tu parles, quand tu ouvres ta bouche sur un sujet, généralement, tu dis que du caca, tu vois. Donc, ce que je suis en train de dire, ça peut se retrouver aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau. Ou bien, il y en a qui vont dire, non, mais Faudier, t'as totalement raison. Voilà, en interne, il se passe absolument rien. Romelu Lukaku, il est absolument respecté. On sait rien. On sait pas de comment ça se passe. Lui, il a décidé d'aller dire que lui, il était absolument malheureux à Chelsea. Et voilà, là, Chelsea, ça fait au moins 6 matchs nuls qu'ils enchaînent. Ils n'arrivent pas trop à remonter la pente. Par contre, Liverpool, voilà, hein, on va pas se mentir que ce match-là, ça arrange Manchester City. Les mecs, ça fait 11 matchs qu'ils n'arrêtent pas de gagner. 33 points, tu te rends compte? 33 points. Ils ont plus de 12 points d'avance sur tout le monde, là. Ça y est, c'est terminé, Manchester City, ils sont champions, là. Allez, hop.